Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe tous mes décrets, s'il pratique le droit et la justice, c'est certain, il vivra, il ne mourra pas. On ne se souviendra d'aucun des crimes qu'il a commis. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Prendrai-je donc plaisir à la mort du méchant? Oracle du Seigneur Dieu. Et non pas plutôt à ce qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive? Mais le juste, s'il se détourne de sa justice et fait le mal en imitant toutes les abominations du méchant, il le ferait et il vivrait? Toute la justice qu'il avait pratiquée, on ne s'en souviendra plus. À cause de son infidélité et de son péché, il mourra. Et pourtant vous dites, la conduite du Seigneur n'est pas la bonne. Écoutez donc, fils d'Israël, est-ce ma conduite qui n'est pas la bonne? N'est-ce pas plutôt la vôtre? Si le juste se détourne de sa justice, commet le mal, et meurt dans cet état, c'est à cause de son mal qu'il mourra. Si le méchant se détourne de sa méchanceté pour pratiquer le droit et la justice, il sauvera sa vie. Il a ouvert les yeux et s'est détourné de ses crimes. C'est certain, il vivra, il ne mourra pas. Parole du Seigneur. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur, est l'amour. Près de lui, abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, tout au long du chemin du Carême, la liturgie de l'Église nous ramène devant les fondamentaux de la vie chrétienne, en particulier devant la révélation de la miséricorde de Dieu, comme nous l'avons entendu dans la lecture du prophète Ézéchiel. Le premier objectif de Dieu, c'est que l'homme vive non pas qu'il meure. Pour qu'il vive, il faut qu'il se convertisse, il faut que l'homme ancien soit remplacé par un homme nouveau, que le cœur de pierre soit remplacé par un cœur de chair. Ainsi donc, les appels à la conversion répétés sans cesse par les prophètes tout au long de l'histoire d'Israël, sont repris avec encore plus de vigueur par Jésus lui-même. Ils ne sont pas de la part de Dieu une façon d'accabler les hommes sous leur faiblesse, mais au contraire de leur ouvrir un chemin d'espérance, de les appeler à changer de vie, à croire à la bonne nouvelle de la miséricorde de Dieu. C'est à la lumière de cette révélation de la miséricorde de Dieu que nous devons entendre le sermon sur la montagne de l'évangile de saint Matthieu. En effet, si Jésus appelle ses disciples à la perfection, ce n'est pas pour leur faire éprouver leur incapacité à être parfaits, mais c'est pour leur faire comprendre que l'ambition de Dieu à leur égard peut surmonter leur faiblesse et la fermeture de leur cœur. Dans ces quelques versets, Jésus soulève deux questions, la justice parfaite, celle qui surpasse la justice des scribes et des pharisiens, et la vie fraternelle. La justice qui surpasse celle des scribes et des pharisiens ne se réduit pas à l'observance des commandements et de la loi, elle ne se contente pas d'une conformité externe par rapport à la volonté de Dieu, mais elle va chercher à l'intérieur de l'homme le lieu propre de son engagement personnel, non seulement ce qu'il fait, mais encore ce qu'il pense, ce qui habite son cœur et peut rester totalement secret à l'égard des autres. Il ne s'agit pas seulement de condamner le crime visible du meurtre, mais de condamner le sentiment de la colère, il s'agit de condamner la parole dure ou vengeresse à l'égard de son frère. La perfection à laquelle le Christ nous invite est une œuvre en perpétuel développement, en perpétuel recommencement, puisque, nous le savons, chaque jour il nous arrive de nous détourner de cette pureté du cœur et de cette limpidité de l'intention. Sans doute, nous ne faisons pas forcément beaucoup de mal, mais notre cœur n'est pas tout entier reconstruit par l'amour et il se laisse prendre encore par la tentation du conflit intérieur, de l'indifférence, du mépris, parfois de la haine. C'est sur ce terrain du combat intérieur que nous sommes invités à vivre la conversion vers Pâques. Bien sûr, cette conversion intérieure doit s'exprimer dans notre manière d'agir, par les actes que nous posons, mais elle ne se réduit pas à ces actes, elle va plus profond, à la racine, là où la parole de Dieu, comme dit l'épître aux Hébreux, rejoint les jointures de la personne. Il s'agit donc d'une justice qui n'est pas simplement une conformité extérieure mais une adhésion intérieure à la volonté de Dieu, qui transforme par le fait même, les modalités et la nature des relations avec les frères, car dans cette conversion intérieure vers Dieu, notre manière d'être avec les autres est immédiatement concernée. C'est pourquoi, avant de présenter notre offrande à l'autel, nous dit l'Écriture, il faut nous réconcilier avec nos frères, car nous ne pouvons pas agir d'un cœur animé par l'amour dans notre démarche vers Dieu qui ne se voit pas, si notre manière de vivre avec les frères qui se voient n'est pas elle-même animée du même amour. C'est pourquoi l'engagement total de la vie et de la personne dans sa relation avec Dieu est indissociable des modalités de la vie fraternelle. Et c'est pourquoi l'authenticité de notre conversion à la toute-puissance de Dieu dans notre vie se vérifie par notre capacité de réconciliation et d'amour avec nos frères. C'est sur ce chemin que la vie communautaire n'est pas seulement une condition pratique, ou une tradition particulière de tel ou tel ordre, mais quel est vraiment le critère visible et mesurable immédiatement de l'authenticité de notre engagement envers Dieu. Prions donc le Seigneur que dans ce chemin de conversion, non seulement nous nous laissions transformer dans notre regard, nos jugements, nos paroles et nos actions envers les autres, mais que nous avancions encore davantage pour que l'amour de Dieu occupe tout entier nos pensées, nos actions, et nos refus. Demandons au Seigneur qu'il fasse vraiment de nous une communauté nouvelle, illuminée par la miséricorde. Amen. Prions ensemble. Seigneur, mon Sauveur et mon Dieu, toi qui as délivré Israël des griffes du Pharaon. Toi qui as courbé Goliath devant David. Toi, le puissant compagnon et protecteur des Israélites. Toi qui as vaincu la mort. De la dette du sang, délivre-moi. Des chaînes de mes péchés, délivre-moi. Des pièges de l'esprit malin, délivre-moi. De la cupidité, délivre-moi. De l'injustice, délivre-moi. De l'oppression, délivre-moi. De la mort, délivre-moi. Des mains de mes ennemis, délivre-moi. Du mensonge, délivre-moi. De la paresse, délivre-moi. Du découragement, délivre-moi. De l'infidélité, délivre-moi. Des maladies, délivre-moi. De la peur, délivre-moi. Par ta puissance, délivre-moi. Par ta miséricorde, délivre-moi. Par ton amour, délivre-moi. Par ton sacrifice saint, délivre-moi. Par ton saint nom, délivre-moi. Par ta croix, délivre-moi. Par tes prodiges, délivre-moi. Dieu amour éternel et tout-puissant, toi l'alpha et l'oméga, écoute les cris de ton pauvre serviteur, et viens lui en aide par Jésus-Christ, l'agneau offert en sacrifice suprême. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.